Vous êtes tous là, bienvenue, bien le bonsoir, bien le bonjour, Ali bonjour, Yali bonsoir. C'est merveilleusement beau et moche à la fois. Bref, nous y sommes avec des nouveaux Pokémon que nous allons découvrir aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais dire? Désolé pour les miniatures, pour ceux qui n'aiment pas, il y en a plein qui n'aiment pas, mais je vous emmerde. Je fais des miniatures stylées, je fais pas des miniatures putaclic. C'est quand je dis putaclic, c'est du genre, oh ben, il y a des Pokémon, trucs bidule, etc, etc. Je sais pas comment vous dire ça, mais je veux pas faire comme tout le monde. Je fais à ma manière, comme j'ai toujours fait depuis le début, de toute manière. Bref, je commence, direct, changement, et hop, on va faire évoluer mon moustillon, on va faire évoluer tous les autres Pokémon pour aujourd'hui. On s'en fout. Gueule. J'ai enlevé le... Allez, casse-toi, tu me cassais bien. Ça doit être la poste ou je sais pas trop quoi. Je m'en excuse. S'il crie. Merde, je suis trop con. Bon, fils de Twing. Merde, j'ai gaspillé une BO en pour rien. C'est pas très grave. Il m'en faut un. De toute manière, il m'en faut un. Allez. Prends la fuite. Bon, c'est pas grave. Je me rappelle plus comment il faut faire, les amis. Ça fait quand même depuis 2 jours que j'ai pas joué. Pour moi. Ok, on fait ça comme ça. Non. Comment on fait pour se baisser? Ok, c'est bon. Je reprends les touches, tranquille. Mon petit beau-frère m'a un peu spoilé ce qui va se passer par la suite. Stop et dit oui que je n'ai... Je dois faire quoi d'ailleurs comme mission? Sans qu'il vous repère. Attendez, parce que je sais plus ce qu'il faut faire. Quixic. Donc, j'en ai capturé un. Spécimen vaincu, ça va être short. Je sais plus ce qu'il fallait faire. Attendez, normalement on voit les missions, c'est pas possible. Ça c'est comme ça, je m'en fous. Mission. La mélodie des plaines. Ok, Moni, une villageoise méloman, est captivée par les sons produits par les Krixic des plaines obsidiennes. Complétez la page de Pokédex de Krixic et montrez-lui là. Oh putain, ok, j'ai bien fait en fait. Complétez la page. Mais what? Je dois compléter tout ça? Faut faire évoluer, patati, patafouin. Bah, viens là. Je vais t'utiliser, mais let's go. J'espère que le mode réduction automatique, je l'ai enlevé pour tester. Peut-être que ça ira mieux. Pour vous, pour moi aussi. Voilà. C'est pas ce qu'il faut que je dois faire avec ces étourmis. Aussi, go! Allez, stoppez, attaque direct. Bouge pas. Oh, mais non, ça c'est chiant. C'est chiant. Par contre, mon bébé, arrête de bouger, j'ai envie de t'éclater, je te jure. Prends pas la fuite. Boum dans ta face. Voilà, montre-moi que t'es puissant. Oh putain, niveau 9 quand même. J'y arriverai pas. Spécimen vaincu, tu veux que je fasse ça comment? Ah bon?
Volvi, ça ne fonctionnera pas parce qu'il y a Triangle. C'est excellent d'ailleurs. J'ai décidé de... Déjà c'est magnifique. On va prendre... Et toi... Non. C'est quand je joue, je parle en même temps, ça fait deux. Vive attaque. Morsure. Jugulina. Zgulak. Va te faire foutre, putain. Bon, écoutez, j'arriverai pas. Je crois que je vais revenir en arrière. Il m'a dit qu'il faut vraiment faire... augmenter la puissance des Pokémon, les faire évoluer, etc, etc. Ah, il était surpris. Bah du coup, utilise Morsure. Encore, stoppez. Oh non! J'ai envie de le taper si qu'il fait ça, mais tout le temps, à chaque fois que j'enregistre, au début ou à la fin, le plus souvent. Bref, Cyril, ah tu tombes bien, j'avais justement besoin d'aide. Il me faudrait des baies cerises, de belles baies cerises rouges et brillantes. Elles poussent sur les arbres du coin, mais je n'ai pas de Pokémon capable d'aller les cueillir. C'est là que tu interviens. Si tu lances une de tes Pokéballs de partenaire contre l'arbre, le Pokémon à l'intérieur pourra faire sa cueillette. Apporte-moi 3 baies cerises et je t'apprendrai quelque chose de chouette. Je compte sur toi. Il fallait me dire ça un peu plus tôt. Mais heureusement qu'on l'a vu. Chose promise, chose due. Je vais te donner une bonne astuce. Écoute-moi bien. Tu peux attirer l'attention des Pokémon en lançant des baies près d'eux. Chouette, hein? Si tu veux tester par toi-même, il y a des Krixik pas loin, essaye donc leur lancer des baies. Je vais leur lancer des baies. Oh putain! On est la nuit! Ouh, c'est le mec. On est la nuit. Oh là 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 là. J'aurais jamais cru, non, Nosferatu. Ouais, mais moi j'ai besoin de faire évoluer en fait mes Pokémon, c'est pour ça. J'ai juste profité du combat. Les épisodes dureront entre... je sais pas. 40-45 minutes, pas plus, parce que ça met trop longtemps pour moi. Allez hop, bute-le là. Je m'en fous de le capturer là. On fera les tâches Pokédex vraiment plus tard, moi ce que je veux là. C'est de faire évoluer, augmenter de puissance et avancer dans l'histoire. Oui, oui, tu m'as vu, je m'en fous, ta gueule. Hein? Choc mental. Oh, c'est tellement beau. Utilise éclair. J'ai une question, comment on fait pour faire évoluer des Pokémon qu'on doit échanger de base? Comme par exemple Alakazam, Growlem, pour avoir aussi Steelix aussi, si je m'en souviens bien, et autres. C'est une question que je me pose en fait. Comment fait-on donc? Je ne sais pas. Non, moi je voulais c'est toi d'abord. Nosferatu. J'en ferais pas le faire, mais je m'en fous. C'est trop stylé.
Attendez. Voilà. Dessert un peu parce que c'est pas que, mais c'est que. Ah, mais il dort. Oh, pardon, excuse-toi. Mais non, il dort pas. Il est somnolent. Ok, ok. Je vais regarder si tout est bien, oui. Je veux utiliser un codier. Oh oui. Nosferatu et Nostanfer. Voilà. Par contre, il augmente pas beaucoup. Hein. Oh putain, des racailloux, ça. Go! Est-ce que je peux attaquer les deux? Oui! Là, il n'y a pas photo, hein. Oui. Hein? C'est quoi ça? C'est un bout de sa chair? Ah, je l'ai décapité? Ah, je suis désolé. Ce sera mon dîner pour ce soir. Oh, je vois comme ça, ça fait un peu raciste, non? Niveau 13, c'est combien déjà? Je crois que c'est niveau 16. J'y suis pas prêt, mais j'y suis prêt. Oh, yes, des mass balls, on va avoir des mass balls. Oui. Putain, mais t'es con! Ce qui explique du Pokéball pour rien. Je peux faire vite là. Oh, ils sont dans l'an, putain. Bon, je sais pas à quoi ça sert. Pourquoi ils nous observent? Mais ça, je comprends rien. Encore? Putain, t'es chiant, vas-y. Ah bon? Par contre, il faut bien que tu joues de la potion. La potion. Je fais évoluer Moustillon d'abord. Et après, je ferai évoluer le reste. Mais par contre, plus on... Oh, le caillou il bouge là-bas. Regardez. C'est trop bizarre. Allez, un quad jet. Je peux monter? Je peux monter. Bon, l'animation est dégueulasse, mais je peux monter. Ah, mais c'est parce qu'il y avait un racaillou. Il a l'air très surpris. Je suis désolé, mais je vais te buter en même temps. Niveau 13 en plus. Ah non, même pas. Ah yes. Au moins quelqu'un à ma hauteur. À mon niveau plutôt. J'en suis très content en tout cas. Je te remercie, ma petite sœur, depuis le profond de mon cœur. Je peux le capturer. Lui, je le veux le capturer. Oh, j'ai réussi! Jure! D'accord. Jure que j'ai réussi. Un beau drive. C'est vrai que, au loin, on vient de là-bas quand même. Hein. Excusez-moi, mais. Voilà. Ça, ce sera pour la miniature parce que je trouve ça beau. Le mec. Il va gueuler. Oh, non! Lui, il me le faut par contre. Justement. What? Yeah, j'ai eu un Serpfrous, les amis. Boum, un deuxième Nosferatus. Oui, il manque plus qu'à le faire évoluer. J'aurai ma première monture. Il me semble, je crois, je suis pas trop sûr. Bon, allez.
C'est pour la caillou. Est-ce que je peux faire... Ah non, il a disparu. Tiens donc. Où es-tu? Putain, mon petit beau-frère, il avance bien dans Pokémon. Putain, j'en suis jaloux. Putain, y'a pas de camp par contre ici, hein. Faudra refaire le mouton, mec. T'inquiète, je vais te défoncer. Ouais, toujours le nez bouché d'ailleurs. Un peu moins, mais je crois que c'est parce que j'attrape le froid ou autre. Peut faire évoluer. Première évolution, les amis. Première putain d'évolution. Je peux pas monter, sa mère. C'est qui me voit? C'est un racaillou, je m'en bats les couilles. T'es surpris, boum! Niveau combien? 8. Putain, c'est pas comme ça que je vais augmenter, hein, par contre. Ce n'est pas très épique. Je suis obligé de changer. Je suis obligé de changer. Ah mais c'est vrai que j'ai un Mustéboué. Oh la shit. Stimous. Yes, si, s'il te plaît. Allez mon ma bouée. Ma bouée. Mustéboué, logique. Lol, c'était mieux la chute. Allez go. Project. Vite. Mais je peux faire évoluer un Pokémon. J'ai envie de voir c'est comment les évolutions. Est-ce qu'il y aura la musique genre. J'espère hein, en tout cas. Je chante mais je sais pas chanter. Oh là, je suis obligé d'aller les chercher. Par contre. Oh, il y a un arbre immense. Allez Mustéboué, tu peux les niquer. Je veux gros lem, je veux gros lem. T'inquiète, c'est que de la boue. T'inquiète. Oh merde, il est mort. J'en vois que natural. T'inquiète, tu peux défoncer la race. Non, roulade, ça fonctionnera. Morsure, putain, il a fait morsure. Je sais, j'ai envoyé un petit bol contre un petit proche, mais... Merde, putain, j'ai oublié de changer quoi qu'il arrive. Écoutez, je crois que lui, je vais l'attraper. Éclair, je crois pas que ça fonctionne.
Niveau attaque, non plus. Ok. C'est bien, il nous marque. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Désolé d'avoir coupé le micro, d'ailleurs. Le micro. Allez, tue-le, stop. Merci. Merde, je voulais le capturer, je suis con, je voulais pas. Tue-le, non, c'est capturé, c'est pas tué. Oh. Tu te calmes, tu. Non, non, tu te calmes. Ça faisait longtemps que je l'ai pas dit d'ailleurs. Boum, t'as eu peur, hein. Putain, yes. Attendez. Comment on fait pour faire évoluer un Digimon? Un Pokémon. C'est pas ça que je voulais faire. Nictaras. Putain. Excusez-moi, putain, oui, ça fait débutant, mais je m'en bats les couilles. Me pesez pas les burnes. C'est la vie. J'ai un chien comme tout le monde. La plupart du monde, du moins. Des gens. Bref, faire évoluer. C'est parti. Quoi? Quixic évolue? Ne pas intervenir, bah oui. Mais t'es ouf, toi. Oh la vache. Oh la vache. Oh la belle. Ouais, par contre, les évolutions, c'est vénère. Hein. Ils font flipper. Hein. C'est Melo. Cric, ok. Putain, mon premier Pokémon qui a évolué, lol. Par contre, j'ai plus de vie pour tout le monde. Bon, je suis obligé de faire lui parce que il va avoir sûrement un combat là. Du moins, je le espère pas trop. Je serais un peu dégoûté. Allez, c'est bon. C'était Erza. Eiza. Non, Riza, pas Nictaras. Tiens, ce serait pas ton ami, le professeur? Hein? Oh, monsieur Lavin, le professeur Pokémon! Pfiou, on dirait que je suis arrivé juste à temps. Déjà, faudrait m'expliquer comment ça se fait qu'il a un appareil photo. Quelqu'un qui étudie les Pokémon ne peut pas manquer l'occasion d'observer un baron. Oui, c'est votre travail après tout. Vous pouvez venir à condition de ne pas nous gêner. Un baron, ça veut dire quoi ça? Le plateau sermon? C'est là qu'on venait honorer le descendant du Pokémon béni par le grand Sinnoh. Wesh, il est énorme par contre. C'est pas lui en tout cas. Ça, c'est qu'un fauteur de troubles qui vient briser l'harmonie des lieux. Débarrasse-nous de lui, Jordinou. Je vais m'assurer que tes Pokémon sont en état de combat. Ah ben voilà, j'ai gaspillé une potion pour rien. Il est très grand ce Pokémon, je vois. C'est donc l'un de ces fameux barons, ces Pokémon craint de tout. Non, c'est ça plutôt. Le Pokémon baron sont énormes et très puissants. En plus, ils connaissent des capacités particulières qui les rendent difficiles à battre. Logique. Fais-lui bien comprendre que c'est toi le plus fort. Fais attention, Jordinou. Sa taille est en soi une arme redoutable. Il est certainement aussi puissant que résistant. Sois donc sur tes gardes quand tu l'affronteras. Je te conseille de bien choisir tes Pokémon et de leur faire apprendre des capacités puissantes. Ok. Les spécimens aux yeux rouges s'appellent les Pokémon Barons. Ou Barons, je sais pas comment on peut dire. Ils sont
plus puissants que les Pokémon ordinaires, ils connaissent des capacités rares. Les attraper est particulièrement difficile. Je vais essayer de le capturer, le Meloric. Tiens, je vais envoyer mon Meloric contre ce Meloric. Quoi ? Ok. J'ai d'un peu. Ah ok, j'ai cru que. Okay. Voyons voir la. Bref. L'ordre d'action. Pendant un combat, vous pouvez consulter l'ordre d'action en appuyant Y. Okay. Un Pokémon dont la vitesse est suffisamment élevée pour agir plusieurs fois de suite, l'ordre d'action peut aussi être effectué par des objets pendant un combat. Oui, il y a énormément de tailles de différence. Je vais te mettre ta race. Niveau 12. T'inquiète pas, mon Meloric. Je vais donc couler sa race. Avec mon cucucucunoto. En utilisant morsure. Aéropique, ok, d'accord, donc c'est ça. Allez, dernière. Et j'utilise Pokéball dans ta face. C'est pas... Merci pour ton sacrifice. Et Tourmi, quoi. J'ai pas de masse ball, putain. Ok. Oui. Oh, oh, oh. Je peux faire évoluer mon Nétourmi, ça c'est excellent. T'es vraiment impressionnant. Réussir à tenir tête à un ballon. Un exploit pareil, c'est dingue du héros des légendes. Je vais remettre tes Pokémon en pleine forme. Merci, c'est gentil. Après un combat pareil, etc. etc. Serbie, quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui. Voici le grand Serbilin. Il est beau quand même, hein ? Ça se voit qu'il a la tête d'un vieux, hein. Excusez-moi de dire ça, mais... Le grand Serbilin te regarde avec tant de tendresse, Jordinou. C'est un grand, non, très grand honneur qu'il te fait. On dirait qu'il t'apprécie. T'as vraiment de la chance, toi. Ce Pokémon accepte de prendre sur son dos les gens qu'il considère dignes d'un tel honneur. Il est une véritable bénédiction pour nous tous. C'est inouï, tellement inouï, un Pokémon que l'on peut chevaucher. C'est exactement comme les Pokémon tueurs d'Alola. D'Alola ? Professeur Lavin ? Jordinou ! J'ai un message de la part de notre chef. D'après elle, nous pourrons installer un bivouac ici. Si Jordinou réussit sa mission. Je sais que c'est une décision commune entre Adamantin et Cormier, mais... Adamantine plutôt, parce que c'est une femme. Ouh, cela ne pose pas de problème si l'on augmente le nombre de bivouacs. Issui est la terre des Pokémon créée par le grand Sinnoh. Tant que vous respectez les Pokémon qui s'y trouvent, vous pouvez en profiter vous aussi. Et puis, puisque Serbilin lui-même semble vous accepter. Merci de nous avoir aidés. Je vais parler de tes exploits au chef des clans. De ce pas. Je reviendrai, te récompenserai comme il se doit dès que possible. C'est gentil, merci. J'aime bien en tout cas les effets de nuages. Pour vivre en harmonie avec les Pokémon, nous devons d'abord apprendre à les connaître, au lieu de les craindre. C'est pourquoi il est primordial
de compléter le Pokédex. Ouais, mais ça, je le ferai vraiment, vraiment à temps voulu. Là, je fais l'histoire principale. J'augmente de niveau. J'évolue mes Pokémon. C'est vraiment le plus important. Dès que les membres du corps des bâtisseurs arriveront, ils nous installeront un bivouac ici. Ok, on aura un camp de base ici. C'est cool. Putain, ça a fait vite. Bon, on va dire, il n'y a pas spécialement grand chose, mais bon. Du plateau de sermon, le bivouac du plateau. Logique, un peu simple et efficace. Dorénavant, lorsque tu es au village, tu peux demander à être escorté à ce bivouac pour y faire des recherches. Excellent. Plus tu auras accès à des bivouacs, plus il te sera facile de mener tes recherches. Excellent travail aujourd'hui. Retrouvons-nous au Hardy Gourmand. Ah oui, c'est vrai que je peux les faire vendre. Vendre. Pff, façon de parler. Vous m'avez compris. 2000. Holy shit. Ah, j'ai fini avec lui. Ils m'ont plus qu'à utiliser Vibre à quoi, etc. Si je les aurais, utilisé. Mais vu qu'il va évoluer, donc ça m'embête un peu. Je sais pas si on peut vraiment les capturer, ceux-là. Mais tant pis, il faut faire des bébés. Hein. Oh, j'aime bien ici. L'Hardy, comme d'habitude, pour 3. Vous avez l'air bien en joie. Vous avez pas attendu la nouvelle. Apparemment, il y a un achécateur fou qui se promène. Les gars qui étaient partis enquêter se sont fait attaquer. Le corps des soignants était débordé. Oui, yes. Oui, j'ai entendu dire qu'un violent éclair avait frappé ce achécateur. Et que depuis, il avait complètement perdu la raison. Mais pas de panique, les corps des chercheurs et justement la procédure. Le danger fait partie du travail de recherche, logique. Mais on peut compter sur Jordan. Pour nous aider, qu'il a d'ailleurs un drôle de nom. Excusez-moi, faut que je le fasse chaque épisode. Cela dit, il paraît que la force de ce achécateur dépasse notamment celle d'un baron. Quelle que soit la force d'un Pokémon, nous devons poursuivre les recherches. Il nous faut donc un esprit lucide et un corps en pleine forme. Et pour ça, rien que de mieux, une bonne nuit de sommeil. Bon, la tête qu'elle tire, j'adore son visage. J'adore ce personnage Lucia. Je crois que je vais lui demander de m'épouser à la fin de cette aventure. Bonjour Jodinou. Tu devrais te dépêcher d'aller voir au bureau. Non, d'aller au bureau de Monsieur Cormier. Sinon il va venir te faire une prise de sumo. Ouais, il arrive. Oh, j'ai des boules de boue. Ah, j'aurais peut-être dû vider telle et telle chose. Je vais me créer plein de Pokéball là. Dépêchons-nous. Nous rejoindre dans le siège, vous m'avez compris. Alors, est-ce que tu as enfin réalisé que tu perdais ton temps à vénérer ce sino de pas de coaching? Ah oui, yes. De nouveaux personnages. Nasha, ou je sais pas comment on dit. Nakara, ouais, peut-être plus. C'est toi qui oses me dire ça alors que tu crois en un sino qui contrôlerait le temps de l'univers. Le seul et unique grand sino est celui que nous vénérons, celui qui a créé l'espace et l'univers. Et ça vous avance à quoi d'avoir un espace infini si vous savez, savez pas quoi en faire. Je l'avoue. Ah, parce que toi. Attends pas, excusez-moi, j'ai du mal à respirer avec ce nez bouché. Ah, parce que toi, tu utilises le temps à bon escient, peut-être.
Au moins, tu as réussi à être à l'heure. Plutôt miraculeux pour quelqu'un du clan Perle. Des perles, bref. Je me demandais si t'allais pas te perdre au milieu de ton espace ridiculement infini. Fouah ! Pardon ? Le grand Sino a offert cet espace à notre clan. C'est la fondation de ce monde. On le connaît comme notre poche. Lol. Laisse tomber. Je vais pas perdre mon temps précieux à débattre inutilement avec toi. Le grand Sino risquerait de m'en vouloir. Allez, moi je vais voir Cormier. Non mais oh. Non mais oh, c'est toi qui as commencé. Je te ferai dire, je crois. Désolé, wow, j'ai du mal. Il y a toujours de la tension entre dans l'air lorsque ces deux-là se croisent. Je crois que tu ne les as pas encore rencontrés. Elle, c'est Nakara, on va l'appeler comme ça, la chef du clan Perle. Elle attache beaucoup d'importance à l'espace. Et celui qui n'arrête pas de parler de temps, c'est Adamantin, le chef du clan Diamant. Ah, ok, c'était pas Adamantin tout à l'heure. Leurs clans respectifs ont quelques différends. Pour ainsi dire, aujourd'hui, ils se tolèrent, mais autrefois, ils étaient en conflit. Enfin bref. Nous sommes pas ici pour discuter de cela. Va plutôt voir notre boss. Je veux dire, Monsieur Cormier, il t'attend dans son bureau. Ouh. Stop. Stop les lectures, j'en ai marre. Mais avant, est-ce qu'on ferait pas... Non, je vais faire évoluer pour le prochain épisode. Parce que là, on arrive au terme de cet épisode. Où j'aurais pu lire pour le prochain épisode. Bah tenez, c'est ça que je veux faire. Je m'en arrête ici pour aujourd'hui. Je vais y aller de ce pas pour le prochain épisode. Une évolution Mélocric. Crixic en Mélocric. On a eu un baron Mélocric énorme. On a eu la différence de taille, la différence de puissance aussi. On a eu le cycle nuit. On a eu 3 nouveaux Pokémon. Raikaiou, Nosferati, avec Crixic bien sûr, du coup ça fait 4, avec lui aussi ça fait 5, et Beaudrive, que j'ai pas réussi à capturer, c'était super, franchement ce jeu me plaît énormément, hâte de faire la suite, mais comme je l'ai dit, on complétera les tâches Pokémon au fur et à mesure de l'aventure, ne vous inquiétez pas, mais c'est pas mon but principal pour l'instant, c'est mon but principal de continuer l'aventure principale, logique. Prenez soin de vous, mes amis, prenez soin de vous, et hâte pour le prochain épisode. Maintenant, je vais faire les épisodes moins longtemps, pour que ça se mette en ligne, l'importation de vidéos sur YouTube, pour que ça durera moins longtemps, et vous aurez les épisodes chaque jour, un épisode chaque jour. J'essayerai de faire ça, comment dire ça, au maximum, au plus rapidement, bref, bisous mes amis.